monde, je suis Danfield et aujourd'hui on découvre Hi-Fi Rush, un jeu d'action-aventure plein d'énergie, plein d'humour et plein de rythme dans lequel on combat une méga corporation en utilisant justement ce sens du rythme. Le jeu est sorti juste après l'annonce surprise par Bethesda, on s'y attendait pas du tout et on va voir ensemble ce qui nous attend. Alors oui, je sais, ce n'est pas un jeu indépendant mais je pense qu'il mérite le coup d'œil. Il est magnifique visuellement, l'énergie est juste excellente, il y a de très bonnes musiques, il est complètement français, même les voix le sont. Je pense que c'est donc quelque chose de prometteur qui mérite d'être découvert sur la chaîne. Et donc c'est parti. Alors il va y avoir une petite introduction que l'on va regarder ensemble. Je vous conseille de la regarder, elle est juste excellente. Mais vous pouvez directement aller au gameplay en suivant le bon chapitre dans la barre d'avancement YouTube si vous voulez la passer. Je vous recommande pas, c'est vraiment du bon boulot de la part des développeurs. Alors regardons ça. Clairement, il est fan de musique. C'est lent. Suivant. J'ai dit suivant. Chai, c'est ça? Ouais. Profession, rockstar. Futur rockstar. C'est fini? Oui. Peu importe. Voici votre accès au projet Armstrong. Et bienvenue sur le campus Vandelay. Yes! C'est parti! Au passage, j'ai activé le mode streamer. Ce qui fait que les musiques copyright ont été retirées et remplacées par des musiques originales faites juste pour le jeu. Je pense que ça mérite également du coup le coup d'œil, hein, ces musiques originales. Mais vous pouvez donc avoir différentes musiques pendant le gameplay en fonction du mode que vous avez activé. Bienvenue au projet Armstrong, candidat. Technologie et corps humain en parfaite symbiose. Ensemble, améliorons la vie. Et maintenant... Le président de Vandelay Technologies, Kyle Vandelay. Vandelay. C'est un jour historique. Ça me fait penser à une série télé, ça. Les meilleurs des meilleurs, allez devenir Tenfield. Encore meilleurs. Grâce à nos prothèses robotiques, Vandelay a toujours voulu aider ceux dans le besoin. Vous tous, très chers candidats, allez montrer au monde combien vous pouvez être spéciaux. Direct, lui, je me dis que c'est pas un bon gars avec sa tenue, son attitude. Préparez-vous à votre nouvelle vie. Ah, ils ont tous besoin d'une prothèse. Vous n'avez pas l'air d'avoir de problème. Ouais. Je suis avec lui. Pas spécial. Je crois qu'on vient de m'appeler. Ouais, c'est classe, il y a de l'énergie dans la cinématique. On voit les choses progressent bien, à un bon rythme. Hop. C'est déjà un bon signe. Donc on va changer de bras. Tu m'avais promis le haut du panier, Mimosa. La production voulait des sujets, Kyle. On a trouvé des sujets. Tu me mets ça sur le dos ! Dis plutôt à l'autre zozo de Zanzo d'aller se faire... Il nous faut des cobayes influents. Et vous m'avez dégoté. Des ratés. Ça va marcher. Pourquoi ? À cause de l'iPod ? Ça vaut mieux. Pas de fausses notes. Et pas d'anomalies. Quel déchet, ce truc. D'accord, petite intro, 4-5 minutes. Je crois que c'est pas fini par contre. Ah,
Ok, c'est vrai que j'ai la version Deluxe. Merci aux développeurs. Ça ajoute quelques skins, il me semble. Donc là, normalement, on est dans le jeu. Ça, c'est le visuel du jeu. C'est incroyable, très proche du visuel de la cinématique. Le pauvre gars. Ah. Bon, haute technologie et très basse technologie en même temps, le bras. Veuillez rejoindre le checkpoint. Bon, ok, le checkpoint. C'est par où ? Bon, tranquille, ça doit être la procédure. Alors, regardons un peu autour. Vous venez admirer. Oh, vous cherchez la sortie ? Alors, regardez, quelque chose de très classe. Absolument tout dans le jeu bouge en rythme. Donc, vous voyez les petites choses, les pas de mon personnage ? Pam. Pam. Excellent. Mon nettoyage n'a pas eu le résultat. Votre saut, en revanche, bien joué. Votre saut, en revanche, bien joué. Elle a laissé des traces, cette opération. Buvez des boissons pour restaurer la vie de Shai. Mais on est au max. Ça va mieux. On les boit juste en les ramassant. Regardez. Ah non, excellent. Tout en rythme. Ah, mes affaires. Ah, je me demandais quand j'allais enlever ça. Hop. Je suis surpris qu'il n'y ait pas les lacets qui se serrent tout seul. Crotte. MX Dust 75, accessoire de gestion des déchets. Quoi ? Accessoire de gestion des déchets ? Ah, objet non identifié, possible anomalie. Arrêtez-le. C'est une arme ? Je crois pas, les gars. L'air de résister. Hein ? Quoi ? Ah, je pensais qu'il allait arrêter le coup. Des robots. Ah, classe. Arrêtez-le. Alors, il s'appelle SB Bro. C'est ça son nom ou SP00, j'ai pas bien vu. Ok, est-ce qu'il y a un rythme à suivre ou juste je tabasse Est-ce que je peux faire des roulades? Oh, ok, non. Je peux pas bloquer? Je sais pas comment bloquer. Ou des pièces. Ok. Ouais, le visuel est vraiment classe. Hein. Beaucoup de choses bougent. Fais claquer les doigts. Quelque chose à la place. On le cache. Quelque chose à la place du cœur, si on voit pas. Bien, Primo. J'ai un lecteur dans le torse. Je suis pas sûr que ce soit vraiment normal. Ouais, non. Deuxio. Deuxio, purée. Ça augmente mon nouveau bras. Tertio. Ça met tout en rythme avec la musique. Et ça sonne n'importe comment. Mais quand la musique démarre, c'est comme si... si... j'étais sur une scène. Oh.
Wow. Quoi? Ah, c'est le tuto, d'accord. Grand vos yeux. Wow. Chai est là, et il attaque en rythme avec la musique. Vous voulez le voir en action? Ouais, commençons, allez. Commençons par une attaque rapide. Un coup d'abattement pour lier les combos. Allez-y, essayez. Allez-y, c'est parti. Essayez maintenant un combo en rythme. Et vous verrez ce que donne un timing parfait. Ah, ah, ok, d'accord. Donc je vais faire la deuxième ligne, d'accord. Ah purée, je vais galérer à faire des trucs en rythme, moi. Vos coups frappent toujours en rythme, mais si vous appuyez pile sur le tempo, vous aurez des bonus en combat. Ah. Vous semblez prêt pour la suite. C'est parti. J'espère que le tuto est pas long. Bien, on va passer aux choses sérieuses. L'attaque lente. Celle-ci est en deux battements. Tendez l'oreille pour trouver le bon tempo. Deux battements. J'ai pigé. Parfait. Essayez maintenant un combo lent en rythme. C'est le genre de timing qu'on vise. D'accord. Ok, pas mal pour un début. Ouf, ok. Donc faut une attaque lente, une attaque rapide, une attaque lente. Wouh, yeah. Et la foule est en délire. Chai, 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 merci, merci. C'est ce gars-là. Tu veux un autographe? T'auras un autographe. Yeah. Merci. Merci. Vous avez vu le vaurien qui a fait ça? C'est l'anomalie. Quoi? Non, c'est juste que... Bon. Allez, en rythme maintenant. Ok. Ah là, j'étais pas en rythme là. J'étais en rythme sur le premier, pas sur le deuxième. Ah, c'est bon là. La porte s'ouvre. Bouger au rythme de l'environnement? Ah, ok. Guider cette icône, écouter le public pour encourager. Vous encourager lorsque vous attaquez. Ok. L'aide visuelle, ouh. Trop bien. Mais je vais peut-être pas traîner ici. Ah, c'est du côté. Ah. D'accord. La big boss de la prod. Je rêve où j'ai entendu dire qu'une anomalie se baladait chez moi. Si le fou va se morfler, Rekka vous demande de l'écraser, de le noyer. Il n'y aura aucune anomalie. C'est quoi le problème d'une anomalie? Presque. Note, évitez la dame très très énervée. Bien le bonjour. Puis-je vous aider? Conseil. Donne-moi un conseil. C'est quoi au juste? Frigo intelligent Vendelet VASF07. Ou frigénieux. Pas très vendeur, mais... Je peux analyser votre bien-être et vous donner satisfait. Vous possédez des... Pouf, souhaitez-vous en savoir plus? Il semblerait que votre problème soit... La... De là... Attaquer les ennemis en rythme permet d'infliger plus de dégâts. Certaines personnes peuvent avoir du mal à se caler sur le... Vos attaques frappent toujours. Okay. Et comme il est préférable, appuyez à nouveau sur le bouton quand votre coup frappe pour un timing parfait. Appuyez à nouveau sur le bouton, ok. C'est logique.
Et si vous avez encore besoin d'aide, je crois même l'exemple vaut bien un discours. Tu veux que je te... Vous semblez adorer ça. Allez, c'est parti. Pas tout à fait parfait, mais okay. Je sens que vous voulez réessayer. Super, c'est bon. Ah non, tu vas pas me refaire faire le... J'étais sûr que vous en étiez capable. Voilà, ok, voilà, on continue. On vient de faire le tuto, tu vas pas me le faire refaire. Récupérer des pièces pour améliorer les compétences de Chai et acheter des objets. Merci. Sois délicat. Ok. Ah! Oula, j'ai failli me faire avoir. Bien sûr. Je pensais que ça irait plus bas en fait, vous voyez. Les malins, ils la font descendre, pas remonter pile au moment où j'arrive. Allez. C'est l'anomalie. Il semble possible que... C'est moi que vous cherchez. Attrapez-le. Essaie d'attraper ça. J'ai une esquive. D'accord. A raté le combo là. Ok. Qu'est-ce que je fais maintenant? Ouais, qu'est-ce que je fais? C'est ce que je me demande. Tout va bien. Merci pour le coup de main. Besoin d'aide? C'est le chat qui va? C'est pratique. J'aimerais bien sortir de là. Ouais, ça serait bien dans mes cordes si tu voulais m'aider. Hé, c'est marrant de crier, mais tu veux pas accélérer? C'est bon, j'ai piraté la console. Frappe le levier et monte ici. Voilà, ok, on continue. Pas ouf le projet Armstrong. J'espérais avoir un robotique qui déchire et je me retrouve avec une cible dans le dos. Conseil. Allez, qu'est-ce que tu aimes bien? Ah, l'esquive. Vous êtes très occupé. Oui, on est très occupé. Y a quelque chose là-bas. Ah, ça me donne des points de vie, mais j'en avais pas tellement besoin. Par contre, je veux bien les sous. Ou la ferraille. Quiconque veut prendre une pause aujourd'hui finira en concert. Ça a dû être une misère de tout timer. Même les pas du personnage à la musique. Allô? C'est moi, le sauveur de chat. T'as dit que tu m'aiderais. Oh, c'était peut-être pas une bonne idée. Bien, tu as réussi. En bas. Bon, je vais faire court. Je t'ai vu contre les gardes. Je pense qu'on devrait pouvoir s'entraider. Je croyais... Tout le monde te cherche. Mais je peux arranger ça. Stop. Attends, minute. C'était toi qui me parlais? T'es un chat? Non, ça, c'est 808. C'est une chatte. C'est moi qui l'ai construite. Enfin bref, comme je disais... Tu sais, j'étais déjà pas chaud pour ce bras robotique musical, mais là, je crois que je vais passer mon tour. Écoute, Vandley prépare un seul coup et je peux t'aider. Merci, mais non merci. Ah! Crête à pied! Je dois appuyer ou quoi? Non, c'est juste la sématique, hein. Leur tête. Lui, 808 ne répond plus.
Qu'est-ce que t'as fait? Attends, t'as senti, toi aussi? Ce battement? Je crois qu'on tient un truc. Et voilà. Ah non, là, un meilleur visuel pour le rythme. Le coup en rythme. Ok. Une attaque bonus sur le tempo pour finir un combo. Surveillez le cercle de timing sur le dernier coup. Oh purée, je vais devoir surveiller ça en plus en combat. Ok. Assez parlé. Essayons ça. Ok. Ça, c'est dans le même rythme que le reste, donc. Ou attendez que les cercles se chevauchent. Essayez un coup en rythme pour terminer un combo lent. À vous de jouer. Ah, tu m'as avancé. C'est trop stylé. Les coups en rythme sont la clé pour envoyer de gros combos. Donc, suivez le tempo. 808, c'est ça? Je crois qu'on est fait pour s'entendre tous les deux. Ah, bon, j'ai un peu changé d'avis. Je vais avoir besoin de ta boule de poil. Hein? Pourquoi? Hé, hey, tu voulais m'aider, non? T'inquiète, c'est juste le temps de sortir d'ici. Oh, t'avises pas de te carapater avec elle. Te carapater avec elle. J'aime bien ces mots. Hein. Ok, alors il y a un autre conseil là-bas. Juste pour le staff, bah, ça va être nous le staff. Ah, ça, je voulais les laisser. Ah, pièce de jauge de vie, donc on a des choses à collectionner. Vous avez une nouvelle amie. J'espère. Ah bon? Un ami? Un cours en rythme. Waouh! Réussir un cours en rythme. Ok, c'est juste ce qu'on a vu, donc presque il me double les conseils. Je suppose il nous les donne dans notre pensée, dans la vraie vie. Amenez-vous. Ok, 6 coups en rythme. Ah, raté. Ok. T'en veux encore? Et... Ah, c'est quand même pas trop dur de les faire. Ah, j'ai raté. Tiens. C'est un train ou un manège le... D'accord, c'est dégagé, mais alors je vais où? Ah. Pas si mal, finalement. Ok, fais-moi penser à te redemander comment t'as fait ça. Si je savais. Bref, à ton tour. Faut que je sorte d'ici. Où qu'on soit. C'est l'usine de production, et pour sortir, faut passer par le contrôle qualité. Tu le vois? Avec tous ces bâtiments, non, pas vraiment. C'est les yeux qu'on aurait dû te bricoler. C'est écrit dessus. Ah ouais! Je vois. Le problème de cette sortie, c'est qu'ils doivent tous t'attendre. Sortie? N'en dis pas plus. On fonce. Alors, combattez en rythme pour améliorer votre score et le score de combat. Ok. Tu comptes sur ton arrogance pour t'enfuir? Comme on dit, plus c'est gros, plus ça passe. C'est faux. C'est le pire conseil que j'ai entendu. T'es recherché. Il nous faut un plan. Justement, je comptais foncer dans le tas. T'es bête ou tu fais exprès? C'est exactement l'inverse d'un plan. Hop. Voilà. Bon, est-ce que je peux retourner là-haut? Ah, il y a quelque chose là-dedans.
à tous les employés. C'est important, ça mérite des majuscules. Qu'elle vient nous rendre une petite visite. Réka sait que vous sortez les boulons pour que tout tourne nickel ici, mais j'ai besoin que vous frottiez et récuriez toute l'usine pour que ça brille. Ok. Ah, c'est pas un ennemi. Je te le dis, c'était Kel, en chair et en os. Tu sais ce que c'est au moins, la chair? Je suis en production. Ça compte comme si je l'avais rencontré, non? Pas du tout. Bon, ça suffit. On a un escalier à réparer. Ah. Ben... Réparez-le, non? Il fallait l'atteindre de ce côté-là, pas de l'autre. Jauge de vie. Ah. Quoi ? La tête dessus ? Comment est-ce qu'ils font, hein ? Ah, c'est clic droit. Ok. Ah, je faisais clic gauche, moi. Oh, classe. Pour absorber la charge du projet Armstrong, un nouveau jour de la semaine a été créé. Tu vas sûrement m'expliquer comment faire le concassage. Le travail est obligatoire. Ah, mais il me poursuit maintenant. Il est si important que ça, ton conseil? Bon, bon, on va voir. On va lui parler. Et avant, on loot. Ok. C'est bon, ça... Je voulais simplement vous dire que puisque vous m'avez ignoré, je n'ai pas besoin de me poursuivre pour me dire ça. Mais si, que cela vous serve de leçon. Je suis un ami, un bon ami. Oui, ça j'ai bien compris. Il nous stalke pour nous dire qu'il va nous ignorer. Bon. Ok, ça. Ah non, non. Ah, bêtise. Je fais n'importe quoi. Je suis où là? Bah on t'ignore hein. Oh, je suis si lourd que ça. Et là, je suis en... Je peux aller que de gauche à droite. Waouh. Ça, c'est du campus. On dirait une ville. C'est ça quand on domine le marché de la tech. Je vais aller où, là? Vandley adore se pavaner. Non. Mais moi, je cherche ce qu'il cache. Là. Ah, t'aimes les alors? Et si tu me donnais ton nom? Si tu demandes seulement maintenant, c'est que tu peux encore attendre. Au fait, moi, c'est Chai. Chai? Très bien. Ouais. Hop. C'est bon, ok, on se croûte pas. Hop. Oh. Ouf. Wow. Qu'est-ce qu'il y a comme raccourci ici? Y a rien là? Non. Même ça, c'est un rythme.
quoi ça, c'est une étincelle? L'étincelle est en rythme également. Ah ouh, ok. Fréquence de batterie. C'est prévu qu'il y ait quelqu'un dedans. Ouf. Vraiment. Au moins, t'es pas mort? Toujours ça? Au contraire même! Je sens que je... Je pète le feu! D'après les données de 808, ton bras est chargé d'énergie. Ah bah, il fallait le toucher. Et si tu libérais tout ça? Ouais. Chai peut emmagasiner de l'énergie dans la jauge. Ok, la jauge au-dessus des points de vie. D'accord. Air. Pitié, pas d'explosion. Power core! Ouh! D'accord. Récupérer les batteries pour remplir votre jauge de reverb. Je peux pas la lancer? Ok, je peux pas la lancer. Encore le bonhomme là-bas? Ah, yes. Point de vie. Le gars partout avec son petit papier là, carton. Zut. Tiens. Parfait. Alors, pas là-haut. Pas mal du tout. Ah, ça s'ouvre. J'ai plein de ressentis d'autres jeux côté visuel. Gameplay, un peu de Jet Set Radio, un petit peu de Borderlands. Oh! Quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Ah, je l'appuie à fond! Ah, ouh, cigoze? Une autre barre de vie? Pièce brisée d'un réservoir de vie. Vendue comme indestructible alors que c'était clairement pas le cas. Composé de 5 pièces. Ah! Ok, donc si j'en ai 5, là je dois être à 3, peut-être 3 ou 4, je me rappelle plus. Oula, oula. Passer par... Ah, je peux pas passer par-dessus! Voilà.
qui est une œil de réverbération. Okay. Ok. Non, c'est pas par là. Ah, vous allez où? Je dois me faire emporter par le tapis roulant? Non, je pense pas. Attends, suivant. Allez. Non. Ouais. Y'a un truc que je rate là ou... Pas monter dessus pour aller ensuite plus haut hein. Ah, y a un chemin là-bas. Ok. Je suis allé trop loin. Enfin, fallait y aller de toute façon, donc c'est... Voilà. Boum. On a un petit peu de ressources là-bas. Ne pas cogner. Ça doit être le générateur. Tu peux le réparer? On a des outils? Des outils? J'ai une meilleure idée. Ah, non, ok. Non, ok. Bah, c'est assez bon? Je dois me tromper, c'est clic droit sur le suivant. Donc là, c'est clic gauche. Clic gauche. Clic droit, oui. J'avais vu que le quatrième était un clic droit, mais pas le troisième. Non, 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 là. Je t'avais dit de vérifier le générateur. Tu m'as piégé, hein? Rika nous explosera tous les deux si on a du retard. Oui, bah, quelqu'un l'a réparé. Que j'arrête de crier. C'est moi. Oula. Là, là. C'est rapide pour une plateforme, hein. Ça rigole pas. Je peux péter ça? Non. Okay. Les robots qui remontent. Ah, je vais me faire avoir là. Trop tard, non, c'est bon. Les congés maladie doivent être demandés 6 mois à l'avance. je prévois d'être malade dans 6 mois. Ouh, boss. J'essaie un autre combo là. Vous les ennemis résistant et ignorent vos attaques tant que vous n'avez pas brisé leur jauge d'étourdissement. Une fois celle-ci brisée, vous pouvez les repousser. Ouais, pourquoi tu me dis ça là? J'aurais dû me le dire avant le combat.
Il est revenu ? Non, c'est bon, ok. Je vous laisse mettre pause si vous voulez lire ça. Je peux pas. Ok, je peux même pas lire tout le message, j'ai l'impression. Là-bas ? On vient de quel côté ? Ah, on vient de là, donc on va là-bas. Mais bon, je pense que je vais m'arrêter là, parce que sinon la vidéo va être un petit peu longue. Ouais, donc c'est un jeu très joli, qui ne se prend pas au sérieux. Ça, j'aime beaucoup quand les développeurs slashent un petit peu et juste font des trucs qui, je pense, l'ont plu, hein, qui sont amusés à le faire, donc... et ça se ressent. Le visuel est incroyable, les musiques sont très bien fichues, le fait que tout bouge en rythme est également incroyable, ça c'est juste complètement dingue, J'imagine même pas la galère que ça a dû être. Alors, peut-être qu'ils ont fait un module qui le fait pour eux, je sais pas, mais... Ah ouais, c'est juste incroyable. Je dis beaucoup incroyable, hein, vous l'entendez. Ah ouais, je suis fan du jeu. Je suis fan du jeu. Moi qui n'ai pas beaucoup de rythme, j'adore ce qu'ils ont fait là, voilà. Donc, merci à vous et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Bye bye.